Salut à tous, c'est Saran et Sandra. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Banjo et Kazoozoo sur Nintendo 64. Merci beaucoup pour vos commentaires, vous êtes adorables, je me balade dans le monde, ça me fait plaisir. Vous êtes adorables, vous nous avez donné plein de conseils, merci Saba, merci Zertaertu. Donc on a compris qu'on gardait des pièces de puzzle. Ouais. On a compris aussi que du coup, les petits, quand on chopait les 5 oiseaux, donc c'était des pièces de puzzle, sûrement qu'on gagnait, donc c'est bon, elles étaient gardées. Ouais, exactement. Il nous manque quelques notes. Alors, on est bien allé dans le bateau, vous avez bien compris ça après. On est bien allé normalement dans le château de sable, on verra après. Parce que je rote, ça fait plaisir. Là, il nous manque 6 notes. Ouais. Donc, ça correspondrait au château de sable en fait, hein, non, 4, ah, non, 4 notes. Mais il y a le boss qu'il faut qu'on aille battre. Ah, oui. Donc attaque piquée, j'ai compris, voilà, oui. Pas de soucis. On va voir ça carrément. Et puis du coup, petite autre question, ce serait peut-être pas mal, on se disait, vu que le jeu est long et vu que vous nous aidez à faire des commentaires, avec les commentaires, pardon, de faire des lives un petit peu dessus pour alléger un peu le gameplay, du coup, le let's play, je veux dire, du coup, il y aurait des petits lives de 2 heures qui seraient retransmis sur la chaîne, d'ailleurs, si vous voulez les voir en accéléré avec les meilleures actions ou voilà. Mais en tout cas, du coup, ça nous permettrait de que le let's play soit peut-être moins long aussi dans le temps, de faire des petits lives de 2 heures avec vous. Ah, de me taper sur la tête, toi. Oh, Kazooie. Et donc, du coup, ce serait sympa. Et puis, bon, faudrait voir, comme tu le disais, avec Saba pour voir les horaires et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Décalage horaire, parce que monsieur donc, est aux États-Unis. Pour moi, faudrait faire un truc comme ça. Donc, c'est quand il ouvre les pattes. Donc, ça, j'ai bien compris. On avait bien vu la dernière fois que si on attend un peu, il va l'ouvrir les pattes. Donc, est-ce qu'on va réussir à le battre en faisant ça? Les pattes. Ah, c'est des pattes, non? Des pinces. Ouvre tes pinces! Ouais, ok. Allez, ok. Oh putain! Yes! Donc, est-ce que c'est du 3 coups à l'ancienne? Ouais. À bobo maintenant. Ok, super. C'est possible, ouais. Ah putain, et donne-moi 6 notes et je serai le plus heureux du monde. Vas-y. Je suis désolé si je vous donne la gerbe, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, ce que je fais. Est-ce que si je reste là tout simplement, sans bouger, il va ouvrir les pattes? Oh, ok, ça sert à rien. Depuis tout à l'heure, je me... Oh le salaud. Ah, quoi que. Ah, il a fait exprès, je suis sûr. Ah ouais. Ah le salaud. Quoi? Mais je l'ai fait, là. Ah non, mais il refait. Ah non. Attendez. On va sauvegarder l'état. Avec si peu de vie. Bah, qu'est-ce que je fasse? Bah, oui, ça. Bah, avec si peu de vie, oui, on va le tenter. On va le tenter en boucle. Oui, y a plus de musique. Ok, j'ai dû enlever la musique. C'est trop bizarre du coup. J'ai pas enlevé la musique. Non, dans le menu du jeu. Ah, dans le menu du jeu? On peut? Ah non. Ah, bon, écoutez. Pourquoi j'ai plus de musique? Ok. Ah, du coup, on entend ses pinces. Oh, c'est bon ça, les gens! Po. Et on peut aller dans sa petite truc. Oh, trop bien. Alors, j'espère par contre qu'on va avoir des pièces. Hein. 96, 97, 98, 99, oh, trou là, 100, tranquille. Alors tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Ouais, bravo. Et bah c'est bon, j'ai plus qu'à me barrer. Oh putain, j'ai pas de vie. Bah attends, mais comment je fais du coup? Comment je fais pour les battre? Tu peux faire un roulant. Bah non, ça fait deux fois que... Bah non, attends, j'ai fait deux roulades à suivre. Tu penses que ça peut le battre? Attends, on va sauvegarder ici. Ouais. On est des gros tricheurs, hein, mais on s'en fout. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Du coup, tu gagnes une vie quand tu trouves les 100 notes. Ok, je savais pas. Mais attends, faut faire quoi? Mais je me rappelle plus comment emballer le crabe! Ah non. Roulade, pour moi je fais des roulades. Hein. Bon, là je pense qu'on peut se barrer. On s'en fout au pire. Vas-y, on se casse. Ah bon? Bah, il y en a 10 par mine. Ah, pas une pièce, hein, un puzzle. Une pièce de puzzle. Ah, une pièce de puzzle, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. Pour moi, une pièce, oui, je suis con, c'est à la Mario. Ouais, il nous manque carrément une pièce de puzzle, c'est pas bête. Où est-ce qu'on peut choper une pièce de puzzle? Oh, après, on s'en fout. On n'est pas obligé de toutes les choper, vous nous avez bien dit ça. Avec les fameuses croix, là. Les fameuses croix. Ouais. C'est pas bête. Il faudrait vraiment que tu chopes une petite maisonnette, là.
faut que je chope une alvéole, par contre, là. C'est ça qui est... Aussi. On est allé dans tous les coffres, de toute façon. Oui, on a fait tous les coffres. Mais non. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, ce serait dommage, ouais, de pas choper. On aurait fait un niveau à 100%, tu te rends compte? Ouais. Ce serait classe. Est-ce qu'il y avait une croix là-bas? Oh putain, le con. Oh le con. Mais il sort pas. Ah si, c'est bon. Ah, j'ai trop peur de tomber là. Tu m'étonnes. Ah non, ok, là on peut voler par contre. Donc on va peut-être voler. Où est-ce qu'il y avait des croix? T'avoue que je n'ai pas du tout retenu. Non, on m'a parlé de croix, mais c'est vrai que l'attaque dessus, ok, j'ai compris, mais je vois pas où est-ce qu'il y a des croix. Où est-ce qu'il y a des croix? Ah, il y a une maison. Ça, il me la faut. Il me la faut direct. Mal foutu, regarde ça. Ils veulent la verticale. Oh putain, le bonheur. Là, je me sens bien là. Ah oui. Ah, c'est mieux. Bon, je crois qu'on va se barrer du monde. Hein. Attends, c'est pas pour une pièce de puzzle. De toute façon, on nous a bien expliqué. On n'est pas obligé d'avoir toutes les pièces de puzzle partout. Il n'y a jamais été question de ça. En plus, sachant qu'on garde les pièces de puzzle. Donc, au pire, on a perdu une pièce de puzzle. On la retrouvera plus tard. Peut-être. Non, mais parce qu'on on les garde. Parfait, ça. Ah, tu m'étonnes. Donc, du coup, j'ai 194 notes. Parfait. 200. Eh ouais, mon gars. Alors, attends, comment on bat ça? Ah bah si, c'était B, mais attends, mais comment... Comment j'ai foutu mon compte tout à l'heure? Ah, je pense que j'ai trop paniqué parce qu'elle en avait trop aussi en même temps. Donc est-ce que... T'avais récupéré la pièce de puzzle là-haut? Ouais. Ah, je crois pas. Ah, c'était peut-être ça la dernière en fait. Mais non, c'est pas le même monde. Ah oui, exact. Suis-je bête? Eh ouais, mon gars. Faut pas te frotter à la Team Rocket. Apparemment, oui. Il est où? Elle était où la pièce de puzzle? Bah là. Ah, elle était ici, ok. Mmh. Bon, alors là, du coup, l'histoire étant que on ne sait pas où aller. Ah, il y avait un endroit où... Il y avait un endroit où on pouvait mettre les puzzles, les pièces, ouais. Mais il y avait énormément de pièces manquantes. Ouais, une salle avec des notes, on n'en avait pas assez. Une salle avec des notes, enfin, on n'en avait pas assez. De... Et c'était où? Ah bah là, c'est à moi que tu poses la question. C'est à moi que tu parles? Donc c'est en haut, je pense, parce que en bas, c'est pour moi, c'est la salle avec plein de puzzles, hein. On est d'accord, tout en bas. Ouais. De mémoire. Hein. Ouf. Putain, et j'ai paniqué sa mère, mais je l'ai eu. Ok, donc... Ah, peut-être là-haut. Mais non, mais mange tes morts. Il en faut combien? Oui. C'est bon, ça. Parfait. Oh. Non, c'est beau aussi. Ah, oh. Ok, on a une pièce de puzzle dans un trou. D'arbre. On a un piranha, donc on n'a pas du tout envie d'y aller. Clairement, hein, c'est... Est-ce qu'on peut monter là-haut? Oui. Là, on peut descendre ici. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, plutôt après, ouais. On va aller voir après, ouais. Là-bas, on a une fée. Sympa, la fée. Inutile. Enfin, important, mais... Apparemment, c'est important, mais... Ma grosse sœur dort souvent dans une fosse! Sceptique! Mais en quoi c'est important ce qu'elle nous dit? Je comprends pas. En plus, on n'a pas du tout noté. Enfin, moi perso, je. Non, mais on va pas noter non plus, t'imagines toi? Mais attends, mais. What? Donc là, je pense que c'est plus tard qu'on peut débloquer ça. Pute. Ok, alors attends, là, il n'y a rien du tout. Parfait. Ok, on monte ici. Ça, on va pas le prendre maintenant, ça sert à rien.
ta façon de t'habiller m'encourage à te... Brise. J'ai pas lu. Brise. Oh bah ça se passe pas. Ok, je me suis fait bazarder. Je me suis bazadé. C'était pas mal, mais c'est vrai. Alors mon gars. Mais non ! Mange tes morts ! Voilà. Ah enfin, donc là ça va être une salle avec une notation de ouf, 260, ok, on a clairement pas assez, donc il nous faut un nouveau monde. Parce qu'on aura assez, théoriquement. C'est ça, 260, ouais. Là on a 200 à peu près. Donc un monde c'est 100 pièces, donc c'est ça. Donc on va aller, je pense, dans le Sgeg. Il y avait un truc rose là qui a été envahi mon écran. Je n'ai pas compris. T'as pas vu? Non. Ok. Alors, on va aller là-haut. Allons voir ce qui se cache dans ce trou. Une tunnel. Le tunnel. Ok. Me dis pas qu'on atterrit à un endroit qu'on connaît déjà. Mais mange tes morts. T'as vu, j'utilise des expressions. Hein. Mange tes morts. Hein? Manouche, ouais. Ah putain, est-ce que je vais dans le tunnel là ou est-ce que je vais par là? Oh putain, ou là? Mais what? Attends, je viens duquel moi? Du noir. Du noir. C'est raciste. Non. C'était des lancers. Oh putain, je marche sur les murs. Oh. What? Hé là! Patouche, dire tes sales pattes si tu n'as pas parlé à Bottles. Je n'ai pas parlé à Bottles. Ça me dit rien en tout cas. C'est... À moins que ce soit le saut Bottles? Non. Non. Attention, il me l'aurait dit. Alors, Bottle, c'est-il de l'autre côté? Non, encore elle! Le sport favori de ma grosse sœur est. Le lancer de gras de jambon! Ok. Elle ne sert à rien. Cette espèce de folle. Est-ce que c'était elle? Non, c'était pas elle. T'as pas parlé à Bottles! Ok! Les bottes un peu folles, peut-être. Ouais, c'est ça. T'as pas parlé à Bottles. Oh, une plume jaune! Ouais, elle t'en donnait beaucoup. De plumes d'un coup. Ouais, mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur d'aller dans le marais là. Qu'est-ce que t'as contre le marais? Non, non, mais est-ce que c'est encore homophobe? Non, mais. Oui! Oui! Ah non, et d'ailleurs, je pense qu'il te faut les bottes pour aller dans le marais. Ah! Tu veux qu'on essaye? Piranha! Ouais, donc il faut mettre les bottes. C'est exactement ça. Mais alors, Bottle, il est où? Parce que là, il y a une porte. Monte sur le Mais dis pas que c'est une porte qui s'ouvrait tout simplement en appuyant sur X ou A ou Y ou A. Monte sur ça, mais je peux pas monter sur ça. C'est vachement haut. Non, mais la porte là. Je vais pas faire de charge. Putain, je sais encore pas où aller. Je sais encore pas où aller. Donc là, ouais, je pense qu'il faut les bottes, t'as raison. Ça me paraît logique en fait. Ouais. Il faut parler à Bottle. Ah, faut chercher Bottles. Donc faut retourner en arrière. Je vois que ça, y'a rien. Ouais, je pense que Bottles il a une tête de bouteille. Ah, je pensais que c'était des bottes moi. Non, c'est boots. These boots are made for walking. Elle est quand même vachement égocentrique la sorcière parce que y a genre. Comment je peux aller? Parce que par là-bas. Clairement, il me faut un nouveau monde en fait. Bah, faut... pour les notes, ouais. Là. Bah oui. Ouais, donc là, c'est bien un monde à 260. Jamais un truc aussi ridicule. Donc je peux retourner cul en arrière. C'est chaud. Donc c'est pas par là qu'il fallait aller. Je peux ouvrir, il faut que je parle à Bottle. Allons dans les égouts. Ouais, voilà. Bonne idée. Je sais pas, hein. On tente. Qui ne tente rien n'a pas de Bottle. Ah mais j'étais déjà allé là. Oui mais bon, tu ne sais plus.
Ah oui, les chaudrons. Un chaudron, il m'avait dit si t'en trouves un autre pareil que moi, tu peux aller dedans. Bah oui, il n'y a pas d'autre endroit. Mmh. Ici c'est fermé. Il dirait vraiment que le chaudron il a des oreilles. Des écarteurs. Putain mais what? On peut pas aller par là non plus. Donc là ici on peut rien faire, c'est juste le chaudron pour se téléporter quelque part. Mmh. Ok. Le problème c'est que là si on va par là, on retourne complètement en arrière quoi. Ce puzzle là, on l'a fait. Oui. Ah mais on a eu combien dans celui-là? C'est quoi ce... Tu te rappelles de celui-là? Bah c'est celui pour montrer combien de faire de la plage, non? Bah non, c'est pour ça on est dans un coffre. Ah bah je sais plus. Je suis complètement paumé. J'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. Et par là on a un autre chaudron. Est-ce que je peux aller voir celui-là? Ok. Ouais, ça c'est bien vrai qu'on forme le plus bête des dieux. Putain, mais par où? Je suis complètement paumé là. Parce que là, du coup, bon, bah là c'est un téléporteur, comme l'autre là-bas, comme l'autre des égouts. Ici. Là, tu peux sauter et en fait, sur le côté là. Tu savais pas ça encore? C'est pas faux. Oh putain, un monde de puzzle remplissable. Non, je prends le plaisir de les placer une par une. Mais je te remercie de te placer. Un nouvel endroit où on peut aller dedans. Ah non, ça a ouvert. Ah oui, à côté de la maison. Ah, tu te rappelles? Ouais. Enfin, parce que moi, je me rappelle pas du tout. Tu prends les égouts. Non, les égouts, ça... Attends, bon. Allons. Déjà là-bas. Tu prends les égouts, tu cliques à droite, tu cliques à gauche. Est-ce que tu te rappelles de cette pub super nulle? Tu cliques à droite, tu Non, alors attends, là les égouts, t'es sûr d'aller dedans là? Pour moi c'était là, oui. Non, là c'est là où il y a le chaudron. Mais il y avait des portes fermées aussi, non? Non! Il y a que le chaudron aussi. Et voilà. Ah, je croyais que c'était celle-ci, excuse-moi. Ah, t'as dit à côté d'une maison, il n'y a pas de maison, c'est ça qui m'a fait sauter en fait. Donc ici non. Ensuite, allons par là. Pour voir. Peut-être ici, c'est un peu les égouts. En haut quoi. En haut, c'est la piste de puzzle. Oui, mais c'est pas ça que je cherche en fait. La porte de. Oui, mais je cherche la petite bouche d'aération à côté d'une petite maison. Tu comprends ce que j'ai dit? Là, y a pas de petite maison là-haut. Mais non, parce que tu me dis que tu sais où c'est, mais moi je sais pas où c'est. Ça, le truc donc, que je cherche. Moi, tu. Mais après, si tu sais où c'est, dis-moi, hein. Elle veut pas me dire depuis tout à l'heure, Sandar. Non, mais c'est où, Sandar? Tu sais vraiment? Mais non, je m'en rappelle pas. Enfin... Ah, est-ce que c'est un endroit qu'on a déjà visité? Mais je crois que oui. Hein. Ah! Donc, c'est moi qui m'en rappellerai pas, donc par là alors. Parce que moi, je me rappelle pas du tout cet endroit. Ça me dit rien du tout. Ça me disait rien de gris en fait, comme ça. Après, je dis pas, hein. Je me rappelle peut-être pas. Ah, t'es dans les égouts? Non, les égouts, après ça, il y a quelque chose ou pas? Non, je crois qu'il y a avec ça. Ah, putain, c'est dur. Je ne crois pas dedans. Non, avec ça. Est-ce que je tente quand même d'y aller dans les égouts là-bas? C'est chaud, non? Non, tu perds de la vie. Ouais, mais est-ce que je perds à cette vie, quoi? What? Non, non! Mais je veux pas ça, voilà. Ouais, c'est chaud, je pense, pour la vie. Alors là, pour moi, l'endroit qu'il nous a montré, là, c'est sur lequel on a ouvert un truc, pour moi, on l'a pas vu. Ça me dit rien du tout, tu vois. Mm. Vraiment, hein. Putain, mais où
Où est-ce qu'on est censé? Ça ressemblait à des égouts, c'est sûr. Je suis d'accord, mais les égouts, après, t'as bien vu qu'ils étaient... Non, il faut aller en bas du tuyau, là où on a été, et tu m'as dit non, c'est le chaudron. Tu vois? Pas du tout. Ah, retourne au... Allez, on va chercher, il faut chercher. Ah, mais attends, mais c'est quoi le jeu, là? Je n'ai jamais vu ça. Mais ça manque de map, hein. Mais c'est pas le problème de manquer de map, c'est que là, je sais plus. Donc, tu veux retourner dans les égouts, t'es sûr? Non, la descente. J'avais pas compris. Pardon, mais c'est moi, j'ai vu que... trop tard que tu allais dedans. Donc je descends. Tu veux aller là, dans l'eau, là? Ouais. Et avec le truc, là-bas. La galère. Non, ça va, hein. T'as vu comment j'y arrive bien, maintenant? Non, en vrai, j'y arrive bien. Vraiment bizarrement foutu, hein. Je suis désolée, mais... Non, mais là, on est d'accord qu'il y a que ça, quoi. On est d'accord que là, il y a plein de pièces de puzzle. Oui. Parce qu'on disait que j'avais pas compris, Est-ce que j'en ai assez? Non. J'en ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Putain, j'en avais assez, par contre, avant de les mettre sur l'autre. Tu vas rechoper. Je me demande si j'ai pas merdé, là. Ah putain, je pense que j'ai merdé. Ah, je pense que j'ai grave merdé, en fait. Est-ce qu'on peut récupérer... Je crois qu'on peut récupérer les pièces, non? Ah non, c'est... Avant qu'il soit fait... Avant qu'il soit ouvert. Ah, les gens, je crois que j'ai merdé. Ah, mais si j'ai merdé, je fais comment? C'est le game over, en fait? Bah oui, les jeux de l'époque, c'était ça. Ouais, mais non, parce que t'as... Bah, je peux en récupérer, mais où? Il m'en reste une dans celui-là, peut-être dans celui d'avant, mais tu te vois refaire le niveau d'avant? Non, non, mais t'as ouvert un accès à un monde. Donc... Mais non, mais je pense qu'il est, à mon avis, le monde que dont je te parle là depuis tout à l'heure, on l'a pas encore. Le lieu qu'ils nous ont montré où ils ont ouvert, ça me disait rien du tout. Je crois vraiment, hein. Je crois que j'ai grave merdé là. Je crois qu'il faut qu'on charge... Ah putain. Parce qu'après, moi je vois pas d'autre endroit là. Hein. Ouais. Ici, là-haut, on a tout fait. Là. Dans les plumes. Ah, oh, on a merdé. Je pense que je charge. Hein. Qu'en pensez-vous? On n'est pas en live. Qu'en penses-tu, Sanson? Parce qu'on est d'accord que j'ai mis beaucoup de pièces sur l'autre. J'en ai mis 4 et c'est ce qui me manquait. Faut être sûr aussi, hein. Ah là, ah, putain. On n'a pas été là. Oh putain, me dites pas que c'est ça. Si c'est ça, ce serait ouf. Hein. Oh putain, un nouveau lieu. Un nouveau lieu qu'on n'a pas connu. Oh, ça y ressemble. Oh, ça y ressemble. Oh putain, ce serait débloqué le truc. Là, c'est ouvert là déjà. Ouais, déjà c'est ouvert là-bas, c'est clair. Voilà, attends, faut aller là-bas, mais par contre, comment je fais pour sauter, moi? Ah! C'est quoi ça? C'est un truc activé. Ah, c'est pour lever les piquants. Oh, beau gosse, mon gars! Ah, bien, wesh! Ah, c'est cool! On a une nouvelle zone, je suis content. On a réussi. Eh, hey, n'empêche, tu vois, il faut chercher, chercher, ouais, chercher. C'est clair, hein. Faut bien énormément. Faut pas... Et c'est là, c'est là où il y avait le truc. Ah, trop bien, trop des dieux. Là-bas, je pense que ça sert à quelque chose d'y aller, parce que ça va ouvrir, en fait. Ouais, je pense. Ah, j'essaie d'appuyer sur le bouton. C'est pour refermer les pitons. On va voir. C'est pas ça, c'est ça. Ah non, c'est pour ouvrir celui-là. Et du coup, tu peux aller en haut. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Change de camp, mon petit poulet. Là, mais il y a kiffé le casouille. C'est clair. Se taper. Ça va, non mais on parle pas de se taper un oiseau. Ah pardon. C'est zoophile. Marou. Quand je gère ma race, t'as vu ça? Ouais. Putain, beau gosse. Oh, bah oui, d'accord, c'est pour qu'elle me parle, super. Alors en fait, ma soeur, elle a le pipi. Mais moi, j'ai eu caca. Il est pour des puces savantes. En fait, sa soeur, là, est aussi bête.
J'ai super peur. C'est complètement con, mais... En fait, le jeu est tellement, des fois, dur dans sa... Ah putain, faut y aller. J'irai là avant. Vas-y. Bah, je sais pas, je me sens bien d'aller là-bas. Bah, si tu le sens, vas-y. Fais confiance à ton instinct. Allez, Kazuzu. Kazuzu. Est-ce qu'on a quelque chose, là? Oula. Ça lag ou ça tremble? Non, ça tremblait, c'est un petit mouvement de caméra qui s'est pris dans... Parce que d'ailleurs, j'ai vu, du coup, j'ai regardé vite fait des petites vidéos, là, jouer avec Kazooie pour voir, je me suis intéressé. Et bah, dis donc, la version en Rare Replay est tellement plus belle. Ça me donne tellement envie de choper la Rare Replay. La caméra a l'air d'être 10 fois mieux gérée. Oh putain, nouvel endroit. C'est ouf, faut que je l'ouvre celui-là. Oui, 4, 6, 7. Ouais, bah, j'avais largement assez, hein. Mm. Eh, j'ouvre celui-là aussi, hein. Ouais. T'en dis quoi? Pas ouais, maintenant que je suis là, tu vois, tant qu'à faire, parce que sinon, après, je vais devoir y retourner juste pour ouvrir, parce qu'il y a que ça ici. Cool, un nouvel endroit à ouvrir. Donc on va essayer de bien repérer où il est. On va se faire avoir encore. Z. Non, tu veux pas ça. Tu veux que je fasse Z? Top. C'est la Bubble Gloop Swamp. Donc le marais Bubble Gloop. Ah oui. Ça déboîte. Ça déboîte, c'est bon ça. Bubble Gloop Swamp. Donc on se fait quoi? On se fait d'abord le truc des égouts. Hein. Oui, on a celui qu'on a débloqué en premier. Ouais, on a à côté, on a à côté. Plouf, plouf, plouf. Par contre, comment j'y retourne? Il faut que je retourne tout là-bas, quoi. Je suis là, je te regarde, mon pauvre vieux, tu me fais pitié. Elle te regarde jouer, hein. Quelle connasse. Je suis assez sous l'eau à cause de la petite bombe. Oh la vache. Ah oui, j'avais... Non mais j'expliquais aux gens en fait. Moi j'avais compris, mais voilà, oui, effectivement, peut-être que personne n'avait compris. De toute façon, on vous entend pas. C'est clair. Donc c'est cool, il y a une petite maisonnette à côté. Okay. Bon, je sais pas si j'ai besoin, faut leur regarder vite fait, mais... Non, je crois pas. Non, je suis au max, les gens, je suis au max. On va faire une petite sauvegarde? Ouais, hein. Allez, sauvegarder l'état. Vive les émulateurs! C'est comme ça que j'ai pu finir Moonwalker sur Mega Drive. Grâce aux émulateurs? Grâce à l'émulateur. Parce que, putain, qu'est-ce qu'il est hardcore! Ah, d'accord, donc là c'est l'entrée du niveau. Un seul mouvement spécial à prendre dans ce monde. Mais il est bien caché. Bah, de toute façon, tout est caché. Franchement, il n'y a pas un seul truc. Ouais, même le truc le plus simple est caché. So easy for me. Ok, donc là on a un truc radio, pas radioactif mais inflammable. Là on a de la flotte. Bah avant d'aller dans la flotte, on va monter là-haut. Bien wesh. Ok. Putain de tarum. Ok, faut foncer. Après. Oh bon dieu, oh la vache. Ça m'a fait trop peur, je suis désolé, je suis retombé, mais ça m'a fait une peur, je m'attendais pas du tout, et le deuxième coup, je m'y attendais pas non plus, donc je sais pas comment je fais, mais... Sors. Ok. Putain, le timing est serré de sa mère. Ouais. Ah, c'est sympa ça, j'aime bien ça, j'ajoute une petite mécanique. Ça a été hardcore, hein. Alors c'est quoi ça? Ah non, des plumes d'or. Petit vénard, je suis une plume d'invincibilité. Bottle t'en dira plus. Mais c'est qui Bottles? On a peu parlé de Bottles, mais... Ok, là c'est là d'où je viens, oui. Et il y a un crâne au-dessus. Il y a un crâne au-dessus, exactement. Est-ce que je peux y aller juste en sautant? Oui, à mon avis, oui. Oui, il a dit. Exactement, il a dit oui, effectivement. Eh, il est temps que je trouve un magasin, hein. Et il y a une autre plume. Au-dessus, il y a un truc ou pas? C'est du noir. Non mais ce que je sais pas. Je sentais qu'il y avait un truc mais non. Attends, mais Bottle il va avoir plein de trucs à me dire. Ok alors. Je sens qu'il va y avoir une saloperie. Oh non. Mais t'es une sérieuse toi. Eh, franchement, tu dirais que je l'avais touché moi. Mais what? Mais c'est une gueule ah, ou quoi? Bazadé. Oh, elle est bazadée. T'as entendu ma blague? Ouais.
vraiment pas s'arrêter. Oui, bah j'aimerais bien. Mais la caméra ne veut pas. Si, elle veut bien. Putain de merde. Mais ça va au bord de ouf, t'sais, exprès, t'sais, genre... Ouais. Eh non. Ok. Ah, mais t'arrives, ça fait le tour, en fait. Ouais, c'est ça, c'est tant mieux. Donc je vais juste aller chercher ça, et puis après, je pense que tout va se passer en bas. Je pense que toute la zone du haut... Oh non. Je pense que toute la zone du haut, et je sais pas ce que t'en penses, mais elle est... C'est fait, hein, d'accord. Vous nous dites dans les commentaires du coup, hein. T'as loupé ça dans la zone du haut. Hein. Comme ça, nous après, on n'est pas là en mode. Est-ce qu'on prend pas un affaire à cause de Mich Mich et Mich Mich. Et pourquoi je suis passé là? Pourquoi ça a pas. Pourquoi j'ai pas pris de dégâts là? Mais non, mais c'est chiant la caméra! Et du coup, voilà, j'ai vu dans le remake, donc le rare replay qui nous reprend le banjo, les premiers banjos avec Kazooie sur Xbox One. Parce que maintenant, il y a un partenariat rare Microsoft, hein, donc il y a une exclue. Eh bien, c'est incroyable, la caméra, elle va dans les murs. Et c'est le bonheur. Ah, ouais. Ah non, mais c'est trop bien. Ou alors, faut la mettre comme ça. C'est pas mieux, hein. Et là, tu attends. Pas mieux. Ça va, tu vois. Tu vois, c'est quoi, shot? C'est limite plus... Ah, je m'en fous mon gars, tu vas voir. Ok, alors là, il faut aller dans la flotte. Hein. Oh, il y a une note. Faire le petit tour quand même. On peut choper les œufs, on s'en fout, mais juste pour voir. Ok. Attends. La caméra est lente. Ok, on va remonter par contre, avant de retourner dans... Le petit truc. Pour moi, il y a rien d'autre. Hein. Non, ça pas l'air. On est d'accord. Déjà, tant qu'on est d'accord à deux, déjà, c'est bien. J'ai fait une petite pause pipi. Je reviens tout de suite. Eh ben, vas-y. Au revoir. Au revoir. Je te dirai s'il y avait quelque chose d'intéressant. J'espère bien. Si tu m'entourages, c'est normal. D'accord. Mais non. Ah. Non, j'ai pas ragé là. Bon, là, peut-être j'ai ragé un peu. Ça m'énerve. J'arrive pas à choper la note. Si, c'est bon. Ouais. Par contre, c'est mon oxygène qui commence à m'inquiéter. Oh, mon oxygène m'inquiète. Mon oxygène m'inquiète. What? Clanker est mon nom. Je suis le broyeur d'ordures de Gruntly. J'ai besoin d'air, d'accord. Alors, j'espère que tu vas juste pas m'attaquer, mec. On arrive à te donner de l'air, d'accord. Donc t'as pas l'air d'être méchant, mon coco. C'est déjà ça. Ah, plume d'or. Ah non, par contre, il y a le méchant, là. Ok. Quoi? Mais je l'ai pas touché, le truc. Ok, je retourne dans la flotte, parce que là, c'est... Ah là là, il me plaît pas. Il me plaît pas, ce mec. Ok, ah, les tuyaux en bas. Est-ce qu'il faudrait faire un truc avec les tuyaux? Ah, bonne question. C'est peut-être ça en fait. Ah non, mais il y a aussi le truc là. Mais what? Ah non, je suis dans la merde là par contre, j'ai recommencé le niveau à zéro. Oh non. On n'avait pas sauvegardé en plus. Oh non. Je peux entendre de la rage. Non, attends, t'as pas vu. Mais j'ai eu un espèce de bug. Ah. Parce que le monstre qui sort de la bouche à aération, il m'a enlevé deux cœurs au lieu d'un. Bah, j'ai pas trop compris, mais bon, tant pis. Donc, du coup, on va recommencer. Toute la zone du haut, on la fera hors caméra. Parce ouais. Que du coup, c'est pas la peine. On la fera juste après. Et par contre, on va retourner à la zone du bas. Parce que comme ça, Sandar va voir. Alors, il y a un broyeur d'ordures qui a besoin d'un espèce de. Une espèce de. Comment dire. D'anguille, je dirais, ou un truc comme ça. Qui a besoin. Un espèce d'immense robot qui a besoin d'air, il nous dit. Ouais. Bah, ça va être toute l'intrigue du niveau.
C'est injouable, c'est injouable. Ça fait un peu PlayStation 1, du coup. Au niveau du gameplay. Ah, c'est la même époque? C'est la même époque, tout à fait. Attends, tu vas voir, il y a une petite cinématique. Voilà, donc c'est la petite anguille, elle nous dit j'ai besoin d'air. Elle s'appelle Cranker, un truc comme ça. Ok? Ok. Toi aussi t'as besoin d'air par contre. Ouais, mais attends, c'est le problème. Alors là c'était la merde, parce que du coup j'ai essayé de choper les deux plumes là. Ça l'a fait, mais... Ok. Il y a un autre par là, et là j'ai voulu choper une maison. Mais du coup j'ai plus besoin pour l'instant de la maison, donc je vais pas y aller. Ok, donc là on a plusieurs petits trous. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'anguille? Ah! Une vie, on s'en fout pour l'instant. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, tu voudrais rentrer dans l'anguille toi carrément? Ouais. Parce que là on a pas mal de petits trous en bas, mais c'est pas con parce qu'elle a un trou sur le dos je crois. On va essayer de rentrer dans l'anguille, on va voir. Une pièce de puzzle orange. Ah bah ça, elle a partout. C'est un niveau, ma chère Sandra. Oui mais il faut les attraper en fait, c'est le principe. Oui mais là je peux pas les attraper là. Faut aller dans les tuyaux, hein, je dirais, non? Ouais, de toute façon, on va commencer par là. Hein. Allez, c'est parti. Moi, nous permet de savoir d'où tu es arrivé, du coup. Oui, parce qu'elle pointe vers là d'où je viens. Ah, bah tiens! Salut, toi. Petit marsouin. J'avais déjà chopé un. Ah oui, mais en haut. Donc c'est normal. C'est ça, hein. Je vous rappelle, le haut, on le fera hors caméra, hein, parce que on fera rien de plus, hein, c'est vraiment juste le haut, parce que y a beaucoup de choses à choper là-haut, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc du coup, je suis rentré par le vert, et je suis ressorti par le vert. Allons dans le orange. Let's go. Je savais pas que les anguilles faisaient ce bruit-là. Bah, c'est connu. Les anguilles ont toujours fait ce bruit-là. Quand tu manges les anguilles, qu'est-ce que tu fais comme bruit? Ouais, d'accord. Moi, je nage à contresens. Je m'en fous. YOLO Thug Life. Ok, donc là, nous avons déjà fait le vert. Alors, le orange qui est là, le vert qui est en bas, et le vert, on est ressorti par là. Donc il nous reste un verre clair là-bas, mais qu'est-ce que t'as à bouger dans tous les sens tout le temps? Je m'installe. Y'a un problème. Je vais me mettre comme ça, mais on voit plus. On a un verre. Ah bah non, faut qu'on le voit. T'es le quotient bel gosse de la série, hein. C'est pour ça qu'on te fait venir. Oui, bien sûr. Ok, donc là, allons dans cette verte-là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Waouh, un autre monde. C'est très, ouais, radioactif. Des crabes mutants nous sommes, la pièce de puzzle à nouer, de battre tu dois. Et qu'est-ce qu'ils ont avec Cordelia parler yoga? Si on sauvegardait. Yoga, je dis. Parler yoga. Yoda, pardon. Ouais, c'est vrai qu'il parle à l'envers. Moi, je m'en fous plein de papa. Mais si, pour la pièce de puzzle. Donc, est-ce que... C'est quoi ça? La lumière. Je veux dire, ça m'a fait, mais ça... Ah,
Je sais peut-être s'ils vont dans la lumière, tu vois, ça le... Pourquoi pas? Bah apparemment non, donc... Ça doit les battre ou pas? On donne la gerbe. Non, faut pas les toucher, faut pas les toucher. Faut les amener dans la lumière. Je suppose que tu ne peux absolument pas bouger la caméra. Non. Viens dans la lumière, viens dans la lumière. Attends, je suis doué là ou c'est moi? T'es doué, mais pas trop vite. C'est bon, je maîtrise. Je suis fier de moi quand même. Hein. Là pour le coup, je me lance pas souvent des fleurs, mais là. Bah tu nous as, ton prix, tu as mérité. Ah non, mais faut aller là-haut. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un truc de ouf, hein. C'est ultra casse-couille, ça. Je suis obligé d'aller à donf, tu sais, comme dans la vraie vie, ça, si tu veux pas tomber, tu fonces, quoi. Ouais. Ta 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 ta. Ok, une pièce de puzzle, c'est tout, super. On a plus rien en pièce de puzzle, quoi. On a rien encore comme pièce de puzzle. Hein. On avait une au début, c'est ça, qu'on va rechoper après, mais une seule, quoi, c'est pour moi. Ok. Donc là, il faut qu'on aille dans celui-là. C'est long! Tu sais combien de kilomètres? Ça se trouve, tu fais le tour et il n'y a rien du tout. Ah non, parce que j'en ai pas d'autres. Ah, une pièce de plus. Faut que je ressorte par contre. Waouh, c'est chaud. Il me donne pas bizarrement. Fonce. Fonce. Fonçons à mourir. Fonçons à mourir. Fonçons à mourir. Fonçons à mourir. Oh putain! Oh vache! Ah c'était chaud, c'était bien! Hardcore. Alors on va explorer les tunnels, les petits tuyaux, voilà c'est ça, les petits tuyaux pétés sous l'eau, parce qu'à mon avis, clairement il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a forcément des trucs dedans. Oui. On a déjà vu les notes. Ah j'avais pas vu. Il faut aller ras la moule du sol. Ras la moule du sol. On dirait du. Tu viens de battre ton total de notes. Ah, est-ce que t'es mort, ça? Pendant que j'étais aux toilettes. Triste. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud, sa mère. Tu vois, c'est chaud. Ah ouais. Putain, mais il décolle tout seul, quoi. C'est un truc de ouf. Fais gaffe à tes avions. Ouais, je sais. Je pense qu'à ça, en fait, depuis tout à l'heure. Mais... T'es là, tu galères sa mère! Ok, donc j'ai fait celui-là. Vous savez quand je m'en fous de ça. Oh putain, je m'en fous. En plus, ça fait au max. Ah putain. Alors attends, est-ce qu'il y a autre chose là? Tant qu'on y est. Il y a un sou. Ah, il y a celui-là. Tourne, 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 Ouais! Il y en a encore. Il y a encore que celui-là, je dirais. Ah, il y a en dessous aussi. On peut aller péter la chaîne ou un truc comme ça. Oh non, c'est pas que des œufs quand même. C'est ça, je m'en fous qu'on est en 40, des œufs aussi. Écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus. Nous, ce qu'on va faire hors caméra, c'est qu'on va retourner
juste au début, refaire le début. Ensuite, on sauvegardera ici. Et on pourra se retrouver au prochain épisode. Au prochain épisode, du coup, on aura fait toute la partie basse. On n'aura plus qu'à aller tout en bas et tout en haut. Ouais. Voilà. Donc, on vous dit à très bientôt pour la suite, le prochain épisode. N'hésitez pas à nous dire, du coup, ce que vous pensez de faire des lives en plus pour... voilà, agrémenter le gameplay. Et puis, on vous fait plein de gros bisous. Laissez un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à ciao. Très bientôt. Ouais.